J'avais crapahuté dans les rues d'une capitale provinciale décrépite, mais aujourd'hui, la vie avait explosé. Je ne reconnaissais pratiquement rien. La ville s'était transformée en une fiévreuse enfilade de centres commerciaux bondés, de restaurants high-tech. Le beffroi de la dynastie Ming au cœur de la ville est devenu le centre d'un rond-point tourbillonnant. Un énorme complexe commercial en face vous arrose de publicité informatisée. À côté, lui, un McDonald's aux allures de caverne. Des slogans, vente de nouveaux scooters, de baladeurs CD, des téléphones mobiles. La ville entière est prise dans une tourmente de construction. Tout ce que la Chine aspire à être, Xi'an est en train de le devenir. Déjà, les boutiques et les panneaux d'affichage vous persuadent que le monde entier est là. Paris, New York, Londres, les rayons des supermarchés regorgent de biens inaccessibles il y a 5 ans. Au point que les plus anciens croient faire un rêve curieux. Partout, à présent, une autre génération s'active à un rythme plus nerveux, plus focalisé. Des petits portables argentés étincellent à toutes les oreilles. Parmi les foules de jeunes urbains, un flux de migrants ruraux coulait à contre-courant à travers les rues, telles des ondes de choc du passé. Des femmes et des hommes gueulards, au visage noirci par le soleil et aux cheveux drus, avec des voix rudes qui emplissaient les échoppes de nouilles. Les vieux contemplaient la ville en mutation, tel un grand spectacle dépourvu de cœur. En casquette Mao et pantoufles de coton effilochées qui leur restent d'avant, ils s'installaient près d'un carrefour ou d'un parc et passaient des heures à regarder vivre ce monde changer. On pouvait difficilement ne pas être ému à leur vue. Ces hommes et ces femmes nés au temps de la guerre civile et de l'invasion japonaise, qui avaient vécu tant bien que mal pendant la famine du grand bond en avant, qui avaient survécu à la révolution culturelle et s'en étaient enfin sortis pour constater qu'ils étaient devenus superflus.